Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Starbound V5 Glad Giraffe. Donc chers amis, on est censé faire un épisode d'exploration, ça va le faire hein. Juste laissez-moi quelques secondes chers amis, je vais vous montrer un petit truc avant. Déjà on va ranger ça. Hop. À la place, on va y mettre hop, je l'ai pas crafté, je croyais l'avoir crafté, excusez-moi. C'est dans le vert, si je ne me trompe pas, Ironville, voilà, la truc de base, hein, chers amis, l'Ironville de base. On la place. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Il revient à l'âge de pierre, tout ça. Peut-être pas à l'âge de pierre quand même. Mais normalement, alors oui, bien sûr, il y a cette armure-là, mais qu'on ne mettra jamais, hein, je peux vous l'assurer. Ah, elles sont pas débloquées du tout, hein. Ah là là. Bon bah non, bah je croyais, chers amis, excusez-moi, c'est ma faute. Elles vont être débloquées à un moment ou un autre, mais pour l'instant elles ne le sont pas, donc on va remettre. Hop, ça ici, celle-ci à sa place. Crac. Remettre tout ça en ordre. Alors j'avais dit que je devais utiliser normalement les trucs, je ne les ai pas utilisés, j'avoue que je ne l'ai pas utilisé là. Hop, on y va, on descend sur la planète. Donc on avait choisi une Frozen. Donc tant que je peux pas vous le montrer, je vous en parlerai pas, vous inquiétez pas, c'est normal. Hop. Et du coup... Hop. Pensez pour le prochain à prendre des trucs à Critter. Alors. J'ai des problèmes de micro-casque. Bien tenté. What? Vous par contre, vous attendez pas à vous trouver là. Putain, il passe à travers, j'avais oublié celui-là. Dégage. Arrière, ville créature. Ok, pourquoi pas. Salut les mecs! Calmez-vous, je veux pas vous faire de mal. Oh merde. Je veux pas vous faire de mal. On se calme. Calme-toi. Putain. Ah! Oh oui, toi tu m'as vu, toi je me doutais que tu m'avais vu, toi. Hop les... Oh t'es moche. Excuse-moi de te le dire, mais franchement, voilà, pourquoi il y avait autant de lumière par là? Pour rien, c'est une caverne, tout simplement. Encore? Le jeu est extrêmement lent, je ne comprends pas pourquoi. Un coffre à cet endroit-là? Oh ça va, c'est rentable. Ah oui c'est vrai, il n'y a plus le droit au contact avec les monstres. Faut que j'y pense. Hop. C'est sympa par là, dis-moi. Ice chair. Bon, ça je prends. Et je vais mettre l'armure de résistance au froid, ça pourrait être plus... Ouais. Plus réaliste. Je coupe ma phrase, je la reprends un peu n'importe comment, n'importe où, mais c'est pas grave. Tant que je me perds pas dans mes mots, c'est pas grave. Wow. Intéressant. Ah, je fume même quand je suis... Oh, c'est limite violent même. Ah, je pensais que ça passerait, dommage. Alors j'imagine qu'il y en a certains qui se doivent faire du bien de me retrouver dans de l'exploration normale, enfin classique. Hop. Ok.
Ok, on repart. Hop. On évite de se prendre trop de dégâts inutilement. On peut prendre. Pas besoin de se heal. Ah, je sais pas pourquoi je fais la touche escape quand je... Oh, bonjour les gens. Des humains. Ça fait tellement bizarre. J'ai la couronne, ça y est, j'ai la couronne d'Elsa. Oh mon dieu. Oh my fucking god. Dire que c'est comme ça qu'on m'appelle des fois. Bref, ne rentrons pas dans les détails, chers amis. D'ailleurs, je le dis une fois pour tous, moi quand je dis comme papa dans maman, je parle des PNJ, mais faites attention si vous le dites, hein. J'ai déjà blâmé une personne pour l'avoir dit. Quand vous le dites dans les commentaires, quand vous l'écrivez dans les commentaires, faites en sorte que ça ne ressemble pas, ne dites pas, enfin, moi je le dis en jouant au jeu, je le dis donc à personne techniquement, dans les commentaires, déjà d'une, les commentaires sont principalement adressés à moi, et de deux, bah, si c'est pas à moi que vous parlez, précisez-le. Je suis pas dans votre tête. Enfin bon, voilà. Mais vous avez le droit de dire ce que vous voulez, hein, mais faites attention à ce que vous dites quand même. Enfin, faites attention à la merde où vous le dites. Voilà, c'est ça. Oh mon dieu. Oh, je suis tellement fabuleuse comme ça. Quiconque osera me dire le contraire se verra. Je sais pas. Interdit de danse pendant quelques jours. Oh, ces putes! C'est quoi? Hop, j'ai pas m'emmerder. Bam! Merci de me laisser entrer, c'est vraiment sympa. Je repars aussi sec. Oh, un coffre. Est-ce que je suis appétissant au moins? Est-ce que j'ai bon goût? Par contre, si tu peux m'ouvrir à la porte, s'il te plaît, ce serait sympa, merci. Si vous pouvez éviter de vous enfermer tous les deux dans le truc, ça fait un peu bizarre par contre là. Oh! Serait-ce le fameux biome steampunk? Il est donc sur les Frozen Planet? Génial! Bon bah, nouveau biome, chers amis, vous voyez. Tout vient à point, qui s'attendre. Oh! Oh, regardez-moi ce critter en poule! Ah, il faut que je revienne dessus, me le chercher celui-là. Bon, je le retrouverai bien. Faut que je pense à prendre des Pokéballs avant de reprendre le prochain épisode. T'es méchant, toi. Allez, clic droit, merci. Oh, regardez-les à droite! Ils sont trop mignons! Par contre, ça, je prends du coup. Je peux? Je ne peux pas le prendre, pourquoi donc? Fuite! Oula! Hop les. Je m'en suis occupé au moins. Qu'est-ce que c'est? Un coffre. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. C'est juste un objet. Une fourniture stylée. Hop les. Les pixels par contre je les prends, hein, y a pas de problème de ce côté là. Vous me les donnez. Hop. Alors là dedans. Deux diamants, toujours ça de prix. Crac. Oh, oh la chute vertigineuse de notre ami. Aïe! Ah putain, je l'ai pas vu venir! Salaud! Ok, je me suis barré, donc m'attaque pas. Bon, je suis revenu aussi, mais bon, ça a pas duré très longtemps normalement. Hop les! Non! Arrière! Alors vas-y, excite-toi maintenant.
Ah, trop stylé. Hop là. Pas très puissant, mais très stylé. Oh! Oh! Oh, j'ai trouvé le chapeau! Et le pantalon! Ah, génial! Génial, génial! Le chapeau! Le chapeau qui fait pouette! Le chapeau qui fait pouette! Oh putain! Tu tournes, toi. J'aurais dû regarder comment tu tournais d'abord. Ok. Oh, la tenue complète, je crois. Non, il manque le dos, je crois. Il doit bien y avoir un backpack quelque part. Oh, hey, je suis habillé comme toi, hein. Moi aussi, je fume de la tête. Wow, une maison complète. Elle est stylée, hein. What? Cette horloge de la mort. Je la veux. Tu parles que je la veux. Oh, le coffre. Oh, le coffre que j'avais pas vu. J'avais déjà, bon c'est pas grave, peut-être qu'il y a un sac à dos hein, quelque part. Espérons-le. Oh, ce demi-tour. Alors. Tu peux déjà passer par là? Dis vaguement quelque chose. Toi aussi, tu me dis vaguement quelque chose. Sandra aussi me dit vaguement quelque chose. Ah, j'ai aucune preuve que je sois déjà passé, même si ça ressemble beaucoup. Hein. Ah, là, je suis déjà passé par contre. Ok, bon, bah, on remonte. Eh ben, écoutez, pour y penser, chers amis, on va aller les faire tout de suite. Hop, c'était lequel? C'est celui-là, je crois. Hop. Hop. Au revoir le chat. Voilà ici. Critter capture pod, il faut 8 steel bars. Pour en faire une? Putain. Ça coûte cher. Ah, j'ai pas utilisé, j'aurais dû. Steel bar. Alors. Iron bar et copper bar. Alors. Iron bar et copper bar. Copper bar. Apparemment, j'ai pas d'iron bar. Iron bar. Voilà. Ce qui m'en fait un total de 53. Hop. Ce qui me permet d'avoir 6 critters. Donc, comme les Pokémon, je peux en avoir que 6 sur moi. Enfin, là, je peux pas en avoir du tout, apparemment. Toi je te vire. Hop. Crac. Et donc on viendra capturer nos Pokémon sur les planètes au fur et à mesure. Et on verra donc ce qu'on peut y faire. Donc chers amis, moi je vais ranger tout ce bordel. Hop, hop. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dans votre lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Games.com. Je crois pas que je l'ai mis dans, dans celle-ci en tout cas. Vis-à-vis de Starbound. En tout cas, vous pouvez le retrouver aussi sur la bannière de la chaîne. Merci à eux de m'avoir offert tous leurs jeux, tous les jeux auxquels j'ai pu jouer sur la chaîne. Un grand merci donc à Games.com. Un grand merci à vous pour votre fidélité à la chaîne. En tout cas, c'est vraiment génial de vous avoir avec moi pour toutes ces aventures. Encore une fois, un grand merci pour tout ça, pour tout le bonheur que vous me faites partager et que j'espère vous faire partager un petit peu aussi. Merci à vous, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Steam et le serveur, hein, bien de la même manière si vous avez le jeu. Donc vous verrez tout ça directement à l'accueil du groupe Steam. Et aussi dans le descriptif de l'épisode, normalement, si j'ai mis tout ça à jour. Donc encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.